Bonjour, je m'appelle Caio, je suis un élève brésilien ici à Saint-Bretin. Je suis dans la filière architecture navale et offshore de la branche MECA. J'ai connu l'Insta après une présentation de une visite en fait de l'école de mon université au Brésil. Et après, j'ai pu connaître plus les formations ici. J'ai bien aimé les options que vous avez. Au Brésil, j'ai étudié la génie maritime. Et dans l'option architecture navale offshore, j'ai pu continuer mes études que j'ai déjà commencé au Brésil. Et aussi faire partie d'une expérience internationale. Et du coup, je trouve que ça peut beaucoup enrichir ma formation comme un professionnel. Bon, j'ai beaucoup écouté l'utilisation du mot que les premiers jours sont durs, mais en fait, je trouve que les premiers jours sont beaucoup fatigants. La différence des langues, la différence des coutumes, c'est une chose que ça demande beaucoup de notre émotionnel et même de physiquement. Après, ça marchait très bien. Après les 3 premiers mois, ça change beaucoup et on peut continuer notre étude sans problème. Ici, j'aime bien la différenciation entre cours magistral et travaux dirigés. Ici, à le bureau d'études aussi, je pense que ça donne une formation plus complète à un futur ingénieur que juste des cours magistraux que j'avais au Brésil. L'espoir ici, c'est beaucoup fort. Je trouve que c'est un différentiel ici de l'Insta. L'opportunité de faire du sport, de continuer avec toutes les activités physiques. Mais aussi l'énergie des autres élèves est beaucoup mémorable. Et je trouve que j'ai fait des bons amis ici, même le français ou étranger. Moi, j'aime bien Brest. C'est une ville c'est petite, mais c'est aussi différent. C'est une ville qui a beaucoup de nature et nous sommes très proches de la mer, que j'aime bien aussi. Ici, j'ai pu avoir une petite expérience avec la voile. Pas très bonne, mais... mais aussi, j'ai fait des sports que j'ai jamais fait, comme l'aviron. Et ce sont des expériences que je ne vais jamais oublier.